Salut à tous, ici Carboom. Bienvenue dans cet épisode 13 de The Walking Dead Telltale. Alors la dernière fois ça s'était fini avec un sacré paquet de merde entre les fermiers qui s'étaient avérés être des cannibales et le reste donc, enfin et Larry qui fait un arrêt cardiaque avant que Kenny lui écrase la tête avec un bloc de sel. C'était pas vraiment ce que j'imaginais quand j'ai commencé l'épisode 12, mais bon. Non, blague à part, voilà, c'est... Ça a été mouvementé. Donc là, c'est l'épisode 13. Est-ce que ça va nous porter chance ou malchance? On va voir. Dans tous les cas, on va essayer de renverser la situation. Allons-y. Donc, il fallait trouver une sortie, etc. Bon, je vais dire à Kenny qu'il a déconné, mais... I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Bon, je vais quand même lui montrer cette logique. You talk a big game, but could you do the hard thing if it was Katja or Dutch? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. John's might have... No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to him. That's all. Est-ce que je peux parler à lui? He was still alive, Lee. He was still alive. Bon, je vais essayer d'apprendre comme je peux. I truly am. Larry and me, we might not have got along so great. But I know he would have done anything to protect you. He was a good father. Je pense pas qu'on va lui dire quoi que ce soit de plus. Bon, je vais repérer la grille de ventilation plutôt. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws, the multi-tool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Je peux pas le faire. Sorry, Lily. Bon. Je me souviens qu'il avait 60 centimes. Bon, je vais demander à Lily en premier parce que là, c'est elle qui a besoin de réconfort. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here, but I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Merci, c'est vraiment pas simple. Oh boy. Any idea which pocket he keeps his change in? Non, c'était... Faut pas, même pas lui demander ça. Marie. My mother's. Don't worry, I'm not taking it. Je cherche la poche arrière. Huh, he still carried his wallet. Bon, un peu plus d'impôts sur lui après sa mort. Two quarters and a dime. Bon, merci, Harry.
cruiser get this unit on? Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Non, Kenny, s'il te plaît, je comprends ton choix, je comprends ce que tu as fait, je n'approuve pas du tout parce que quand même là, t'as quand même déconné. Mais elle a des sens de rien dire maintenant, quoi. There's our way out, Lee. We don't know where it leads. Looks like it'll probably lead right into that back room. I can find out. Ça me plaît pas trop d'envoyer Clem, mais... J'ai pas l'impression qu'il y ait le choix. You think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Okay. Allez, courage. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. C'est bizarre de voir mes rapports avec Lily être un peu améliorés. Putain, quelle bande de monstres. Ah, les ordures. I told you there was something up in this room. It's a goddamn human slaughterhouse. Est-ce que je peux prendre une arme? Tant qu'à faire. Ah, une faucille. La foi, les faucilles, ça peut faire très mal. Je vais looter un maximum d'objets. Ah, d'accord. Je peux pas regarder tout ce que je veux. Ok, ça marche. Bon, c'est ah, c'est la carré. Mon dieu, elle a vu tout ça. Je vais plutôt prendre la faucille que le crochet. Le crochet c'est vraiment un truc perçant alors que la faucille c'est toute une lame. Je préfère la faucille. Vraiment, j'aime bien les faucilles. Avoir une arme digne de ce nom, ça fait plaisir. Ah oui, mon plumage aussi. Connard, c'est mâche. What the hell do you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Il y vend moins de Rambo, c'est bon. D'accord, t'as ta famille, mais... Ouh. Outside the bar. Oh shit! Just guarding the place like you said. Sitting out in the rain for damn years. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Not pick which one to keep alive. Not the kid. I'm the leader of the trade. Putain.
Oh, I know, Mother. This hey, is my thing. Keep your eye on too. When I let one think they can just walk right out, they never even look down. Putain de salopard. Putain de chiasse! Oh yes! La faucille, c'est bien. Deuxième fois que tu marques comme ça, quand même. You see, you understand now, don't you? He can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. I should fucking kill you right now. Taré. Spark never volunteered to be food! You gotta keep me alive! If you kill me, the meat gets tainted! You can't eat it! You're already tainted! Do it then! I know you can! I seen you do it! Just like you killed that woman in the camp! Espèce de foiré mondain, fils de chacale. Je suis pas comme toi, foiré mondain. C'est pas comme le monde fonctionne maintenant. Tu ne vas pas me faire tuer. Oh putain, heureusement que je l'ai pas fait devant elle. Hein. Je vais pas qu'elle voit ça. Go. I'll cover you. Just stay here and keep Clementine safe. Merci. Be right back. Non. Putain d'en finir avec son foiré. Kenny! Bon après je le comprends, s'il y avait Duck avec nous et que Clementine était là-bas, je pense que moi aussi j'aurais pété un câble. Qu'est-ce que... Carly? Carly! Lee? Ow! Is everyone okay? You guys have been gone way too long. They attacked us! I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit! How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us! Shit! Is everyone else okay? They've still got Duck and Kaja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Mais ils ont dû utiliser quoi? Enfin, il a dû utiliser une machette ou un truc comme ça pour tuer les zombies à l'instant. Putain, il l'a touché pas. Woman. Settle down. I don't want to hurt y'all.
si vous êtes prudent. Danny, is that you? What's going on out there? Je peux rien dire pour l'instant. Elle a compris. Bon, j'espérais qu'elle ouvre la porte pour essayer de vérifier, mais... Te laisser avec la femme d'un de mes amis? Tu connais ma... parce qu'elle peut le prendre comme un défi et m'attaquer. Alors, je vous propose d'arrêter sur ce climax de la deuxième partie de The Walking Dead. On a réglé leur compte à deux d'entre eux, le 13 nous a porté bonheur. Et avant d'en finir, donc, je propose d'arrêter juste avant le climax. Je vous garantis que moi aussi je suis hyper impatient de voir où ça va nous mener, d'exploser la tronche à ces enfoirés. Vraiment, ces fumiers nous auront coûté cher. Mais voilà, je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour voir le dénouement de cette histoire. Et voir donc comment je vais gérer cette situation pour faire en sorte que Duck soit sauvé pour la deuxième ou troisième fois. Je garde pas trop le compte, mais bon, je tiens pas à le voir figurer à la liste des victimes. Je suis motivé pour la suite là. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.